le feu. Comment tu t'appelles ? Rafi Arto. Et tu as quel âge ? J'ai 16 ans. Ah merde. Ah non, mais t'es un sur-sur-doué. Ouais, sur-doué, ouais. Merci. Ah ouais, non, mais... Merci beaucoup, ça me fait très plaisir. Salut. Bonsoir. Ça m'a pris un peu de temps pour me retourner. Je sais pas si t'as vu, mais je suis arrivé au dernier moment. C'est un problème, le talent. Alors attends, non, mais ça c'est sérieux, vraiment. Ça peut poser des problèmes, parce que tu sais tout faire. Et dans la chanson, j'ai entendu 3 performances. Et c'est bien que tu te mets dans un contexte comme The Voice, parce que ça te force très vite à comprendre qui tu es et qui tu veux devenir et qu'est-ce que tu vas faire quand tu as l'opportunité qui se présente pour faire des disques, pour faire cette carrière. Et en ce moment-là, je sens que tu dois décider où aller. Alors choisis la bonne équipe. Mais moi, je me suis approché, je l'ai vu. Chanter et jouer comme ça en même temps, c'est fantastique. Oh, ça serait super si nous en faisions une autre au piano, franchement. Il joue trop bien. Ah, ouais. Vas-y, fais une. Qu'est-ce que tu veux chanter ? Je veux le voir jouer. Ah oui, oui. Eh bien, Pascal. Moi aussi, je veux le voir jouer. Pascal, attends, viens, on te rejoint. Ah oui, on va jouer. Tu tapes en dernier. Moi, je veux le voir jouer. Bon, on peut même si on ne sait pas retourner. Well, it's a month for the money, it's you for the show. For you to get ready, not go, cats go, but don't you step on my blue suede shoes. Well, I can do anything, but lay off of my blue suede shoes. Well, you can burn my house, steal my car, or drink my liquor from an old fruit jar. I do anything that I wanted to, but down the home, lay off of them shoes, but don't you step on my blue Oh, le môme, il est terrible.
Il va aller avec lui. Alors, tu vas choisir qui parmi eux? Bah... La fille, on dirait tu sais, des trucs de téléachat. Quand on est aussi jeune que lui, c'est bien d'être des fois avec un... quelqu'un d'un peu plus mûr. Non mais c'est un truc que je dis comme ça. Quand on est pianiste, c'est mieux de ne pas être déstabilisé avec d'autres instruments. Donc il peut juste se concentrer sur la voix et... Ah, je dis ça, je dis rien, mais bon... Mais c'est vrai qu'il dit rien. Il dit rien. Donc, ne fais pas le mauvais choix. Voilà. Ils sont en train de l'embrouiller, là. Ce sont des professionnels de l'embrouille. Ils sont habitués. Ils savent faire. Bah, je pense que je vais aller avec Monsieur Fanpen. Eh ben bravo. Bravo. Bienvenue. Hey, il est content. Bravo. Merci beaucoup. Hein. Un message. Et toi, t'es super. Bravo, hein. Super. C'est moi qui te remercie. Ciao, ciao.